Nos pays pourraient économiser des milliards de budget militaire en intégrant leur industrie de défense. Ce n'est pas avec ce Fonds européen de défense que nous le ferons. Régulons cette industrie pour parvenir à une intégration, ne la subventionnons pas. Ce fonds est une fausse promesse. Plus grave, il est d'une opacité inquiétante. Il manquera cruellement de contrôle parlementaire, de transparence dans son fonctionnement et aucune garantie ne nous a été donnée pour que les armes qui en résulteront seront strictement soumises aux règles européennes d'exportation. Si encore ce fonds excluait le financement d'armes de destruction massive, mais non, comble de la déchéance, pour une Europe qui se rêvait un projet de paix, ce fonds pourra demain être étendu au financement des bombes nucléaires françaises. C'est inacceptable. La France doit montrer la voie du désarmement et non chercher à faire peser ce poids économique et éthique de son arsenal à toute l'Europe.